Hey, salut tout le monde, c'est Mister Diamant Minecraft et eh ben ce sera pas un tuto, ce sera la présentation. Attention, ça fait 3 heures que je suis dessus. Là, il est minuit 11, je me suis mis à 9 heures dessus. C'est la présentation d'un compteur à éclairage instantané. Donc voilà la bête. Donc ça fait 3 heures que je suis là-dessus. Donc, ouais, je vais vous montrer le tour. Hein. Hop. Donc, il y a un nombre de systèmes différents. Mais c'est vraiment du n'importe quoi hein, ce que j'ai trouvé. Hein. C'est un truc de fou. Là, ah, tiens, une torche. Enfin, non, c'est pas du n'importe quoi. Ça marche. Mais au niveau du système, enfin, j'avais rarement vu ça. Et puis, bah là, j'ai trouvé tout seul. Un truc que j'avais rarement vu. Donc pardon, faut pas que je parle trop fort parce que sinon je vais réveiller l'agent, donc ça va pas trop le faire. Donc c'est pour ça que je ne parle pas très très fort. C'est très simple. Bon, vous allez voir que là, hop, ça compte 1. Ensuite, hop, ça compte 2. Hop, ça compte 3. Hop, ça compte 4, et là, 5, 5, ça réinitialise. Hop là. Donc, on va voir l'état de base du compteur. Donc, je vais vous apprendre après à faire un compteur. Donc, un compteur simple, un compteur binaire, ce qui permet de compter jusqu'à 6. Mais avec cette machine, on ne peut pas compter jusqu'à 6, on peut compter jusqu'à 5. Et en gros, bah, pour compter jusqu'à 6, je pense qu'il faudrait ajouter à peu près de là à là à là à là de circuit, je pense. Mais pour l'instant, on va s'arrêter à 5, ça suffit amplement pour certaines usines. Donc là, on voit que le compteur est à 0. Donc si on compte juste à 1, 1. Donc hop, ce bloc-là se pousse. Ensuite, le bloc 2 va se pousser en comptant jusqu'à 2. Donc il se pousse. Donc ça, c'est grâce au pulsimètre qui est là que les pistons collants ne collent pas. En fait, ils vont coller que au reset total. Donc là, il se passe qu'il y a une réinitialisation des blocs qui se font. Et au 4, il y a la réinitialisation de ce bloc-là qui se fait. Et quand on appuie sur le 5, hop, tous les blocs mis à jour se sont réinitialisés et les pistons peuvent reprendre leur effet collant. Donc en fait, l'effet reset de tous les blocs est ici en fait. Ça part, c'est ici, exactement ici. En gros, à chaque fois qu'on appuie sur 5, un courant arrive d'ici. Donc, non, je vous dis des âneries. Le 5. Un courant arrive d'ici, donc d'un autre pulsimètre qui est relié ici. Ce pulsimètre va injecter du courant ici qui lui va être distribué là, là, là et là. Et ici, c'est donc en gros là, là et là, c'est donc. Ouais, c'est bon, j'ai cru que j'avais réveillé quelqu'un. Ça doit être 4. Donc le 5, c'est ça. 5, 4, 4, 4 et 3. Ouais, ça doit être ça. Donc en gros, ça. Donc ici, quand on va injecter un courant ici, ça va réinitialiser les pistons ici. Donc grâce à ça, ça va réinitialiser les pistons, donc ils vont revenir, donc de revenir à 0. Et ici, injecter un courant à retardement, donc tac, 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 qui va pousser ce piston et donc couper l'arrivée de courant sur la lampe 1. Voilà. Donc en gros, ça sert à couper l'arrivée de courant sur la lampe 1. Donc la lampe 1 est alimentée par
un système de mémoire qui est ici et réinitialisé par un courant qui est injecté ici et qui part de là. Ici. Ensuite, le 3, c'est un courant donc qui est en bas, un peu plus complexe ici, car il en fait, en bas, le but, c'était à chaque fois de faire une mémoire impulsive instantanée. Donc, en gros, quand on va injecter du courant ici, donc mettez bien, enfin, il faut mettre un bloc là, car si on enlève le bloc, ça se connecte et ça marche plus. Il faut que ça injecte le courant dans le bloc et que ça éteigne la torche. Et donc, à partir du moment où la torche est éteinte, ce courant-là va s'éteindre, cette torche va s'allumer, donc comme une mémoire, et va injecter le courant vers la lumière. Donc en fait, le plus compliqué, c'est pas tellement de faire les systèmes de compteurs, c'est les systèmes de lumière, qui sont très 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 compliqués. Bah, c'est en fait, c'est pour ça que c'est aussi grand. Voilà pour les explications. Donc là, c'est juste un système de maintenance que j'ai fait. Donc en gros, quand on va appuyer sur 5, ça va réinitialiser ce bloc là. Donc il va rester là. Donc vu qu'il s'est réinitialisé. Donc en gros, ce bloc là, il se réinitialise à chaque fois. C'est ce qui permet de faire passer le courant à chaque fois. Mais ça, c'est une version instantanée. Donc ça veut dire que c'est une version rapide avec des lumières. Avec des lumières qui s'allument ici. Donc maintenant, je vais vous montrer un compteur simple, donc qui permet de compter jusqu'à 2. Donc, un compteur simple, c'est comme ça. Hop, ouais, c'est ça. Donc avec un pulsimètre qui va être ici. Donc un pulsimètre juste là. Hop. Et donc je vais vous montrer de quoi je suis parti au tout départ. Donc au tout départ, ça ressemblait à ça. Voilà à quoi ça ressemblait au départ. Voilà. Donc là, ça, c'était ici au départ, juste là. Donc en gros, un compteur binaire, c'est ça. Hop. Donc, un courant va être injecté, donc, comme ça, et va activer ce piston qui, lui, va pousser ça. Donc, le courant va s'arrêter. Donc, vous voyez. Sauf que grâce au pulsimeter que je vous expliquais dans la vidéo des usines à cacao, ça perd son effet collant. Donc, ça fait passer le courant jusqu'ici. Et donc actionne ce piston là et fait compter 2. Voilà. Donc là on a compté 1 et 2. Donc maintenant on va passer en binaire. Alors le binaire c'est très simple. En gros il n'y a que des 1 et des 0. Donc en gros 1 plus 1 ça fait pas 2, ça fait 10. Donc et 1 plus 1 plus 1 ça fait 11. Donc en gros là le code, ça va être, donc c'est comme ça, un compteur binaire, c'est très très simple. Lui a 3 pour réinitialiser. Avec les pistons, vous devez, enfin les blocs pour compter, vous devez les placer comme ça. Donc, on va réinitialiser, hop. Donc en gros, donc là, 1, donc ça pousse. 2, ça pousse. Donc 3, le courant va passer là, là, là. Ici, donc ça va venir et la tirer. Donc pour compter 3, c'est ce piston là qui se baisse, enfin ce bloc là qui se baisse, hop. Pour compter 1, 2, 3, pour compter 4, c'est ce piston là qui va faire passer le courant là, mais qui va repousser là, donc ça va inverser la situation. Voilà. Pour compter 5, c'est tous les pistons en bas. Et pour compter 6, il vous suffit de faire ça. Donc, c'est comme une... Oh putain, j'ai une mouche dans le bureau. Elle est énorme. Oh, énorme la mouche. Et donc, c'est très simple, vous faites un fil de redstone qui parcourt.
Donc n'oubliez pas de le mettre sur 3 tics ici, enfin 2 tics mais 1, 2, 3. Et dès qu'on va appuyer, on va reprendre notre situation de base. Et là on a compté 6. Et ensuite on peut repartir sur 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, donc par exemple, ça on peut s'en servir pour des usines à cage, donc c'est-à-dire, je donne un exemple, qu'est-ce que je pourrais dire? Bah dernièrement, j'ai fait l'usine à cacao, donc qui va bientôt être mis en ligne, quand j'aurai le temps. En gros, grâce à un smart piston, et bah à chaque fois que le smart piston détecte, pousse un bloc. Et bah en gros le smart piston va être lié au pulsimètre, donc le pulsimètre va compter 1 et tous les 6, donc tous les 6 donc toutes les 6 planches de bois, enfin les 6 bûches rentrées dans la cage, le pulsimètre va lancer un tic là et actionner un système de TNT qui vont faire tomber la TNT tous les 6 mouvements. Donc ça sert à, en gros ça sert un peu à programmer des systèmes. Voilà, donc vous voyez c'est pas très très compliqué. Enfin moi quand on m'a dit compteur binaire, binaire, oh non c'est bon. Non non, binaire c'est que des 1 et des 0. Ah oui, bah écoutez, je vais vous demander quelque chose. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse de savoir comment faire ça, ou juste que bah juste, ou alors dites-moi ce que vous voulez savoir là-dedans, ou les choses principales que vous principales que vous voulez voir, par exemple comment t'as fait pour faire le système de reset complet. Alors dans ces cas je vous expliquerai comment j'ai fait le système de reset, les systèmes de connexion lumière par exemple. Enfin, dites-moi ce que vous voulez savoir. Enfin, je me suis bien arraché les cheveux de la tête pour faire ce truc-là. Donc, au départ, je suis parti de ça, hein, d'un compteur simple et binaire. Puis après, je me suis dit, on va se mettre là-bas pour avoir plus de place. Donc, hop, je me suis mis là avec mes lumières là. Et je me suis dit, compter jusqu'à 6, ça va être un peu compliqué parce que, en gros, j'ai relié, donc mon reset est relié là, là, à ce piston là, et pour compter 6, il m'aurait fallu que je connecte ici, et en plus, pour faire ma reset, j'aurais dû aller encore plus loin et remettre un pulsimètre avec un système de mémoire et de reset derrière. Donc je me suis dit, c'est pas grave, on va compter jusqu'à 5, ça fera pareil. Donc, si ça vous intéresse, dites-le moi. Si vous voulez savoir des petites choses en particulier, dites-le moi aussi. Je compte faire un tuto un peu spécialisé sur piston, système de piston, bot switch, smart piston, tout ça. Donc, bientôt là. Donc, juste l'usine à bois que je vous ai parlé, ça va pas être maintenant parce que c'est très 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 long. Ça risque de durer plus de 3 épisodes, 3 ou 4 épisodes de mes usines, donc je vais voir quand j'aurai le temps de faire tout ça. Voilà, c'était la présentation du, comment on va appeler ça, du compteur binaire à la présent, comment on pourrait appeler cette machine absolument énorme. Le compteur, allez, machine à compter, on va mettre ça, hein. On va pas se compliquer la tête, je me suis déjà assez, à vrai dire j'ai assez mal à la tête là après avoir fait ça, je me suis un peu fatigué, mais je pense que vous l'avez compris, hein, Minecraft et la redstone, chez moi en fait je joue à Minecraft parce qu'il y a ça, hein, sinon ça m'intéresse, enfin si ça m'intéresse et c'est bien, mais la redstone c'est vraiment waouh, mais c'est génial. Petite dédicace à quelqu'un qui se reconnaîtra, waouh mais c'est génial ici. Il se reconnaîtra. Donc je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto et je vous dis
Ciao, ciao.